Okay, good morning, good afternoon, good evening. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée du séminaire intitulé « Réimaginer l'avenir des systèmes d'information de gestion de l'éducation ». Avant de commencer cette session, je souhaiterais rappeler aux participants de ne pas oublier d'éteindre leur micro et leur caméra. Lorsque vous êtes invité à prendre la parole, allumez votre vidéo. Ce séminaire se déroule en deux langues. Il y a une interprétation simultanée vers l'anglais et vers le français. Si vous souhaitez changer de langue, cliquez sur l'icône interprétation qui est en bas de l'écran et vous pourrez ensuite choisir la langue qui vous convient, anglais ou français. Avant de commencer la session, je souhaiterais inviter ma collègue Satoko à présenter la session d'aujourd'hui et de revenir sur ce dont nous avons parlé hier. Satoko Yano a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation internationale et elle est aujourd'hui spécialiste de programme à l'UNESCO. Elle dirige une équipe qui travaille sur la planification du secteur de l'éducation et la politique du secteur de l'éducation ainsi que sur les CIG. Elle apporte une aide technique et une aide en matière de développement des capacités, développement du plan sectoriel et suivi et bien d'autres domaines encore. Avant de travailler pour l'UNESCO, Satoko a occupé diverses fonctions à différents bureaux en Asie-Pacifique, y compris pour l'UNESCO à New Delhi, en Asie-Pacifique, à Bangkok et à Beijing en Chine. Satoko, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous pour cette deuxième journée du séminaire international sur les CIG, qui a été lancé hier avec des présentations très intéressantes de différentes perspectives. Après avoir écouté ces différentes perspectives, nous sommes parvenus à la conclusion que les données sont essentielles pour une prise de décision efficace dans le domaine de l'éducation. Stefania Giannini, secrétaire général adjoint, directrice générale adjointe pour l'éducation, nous a dit que les données étaient essentielles, sinon c'était un petit peu comme voler à l'aveugle. Nous avons également noté que les CIG traditionnels, ce qui nous semblait être les CIG autrefois, ne sont plus à la hauteur pour répondre aux défis qui se sont posés à nous pendant les fermetures des écoles. Dans ce contexte, nous avons également noté que les pays et les partenaires au développement sont fort engagés à combler les lacunes. Donc, nous regardons tous dans la même direction et nous avons tiré les enseignements de la crise du Covid et de l'interruption de l'enseignement qui a eu lieu pendant ce laps de temps. Il y a donc des besoins communs qui émergent de cette crise. Le premier, c'est qu'il nous faut des données en temps réel pour assurer le suivi de l'apprentissage des étudiants. Il nous faut également des CIG qui viennent appuyer l'apprentissage. Les CIG deviennent de plus en plus des systèmes d'apprentissage hybrides. Nous avons également noté qu'il nous faut un système de données qui permette de capturer les processus et pas simplement les entrants et les extrants pour voir ce qui se passe entre l'étape des entrants et des extrants. Il nous faut également pouvoir mesurer les données sur les élèves, les enseignants pour pouvoir suivre ce qui leur arrive. Nous avons également noté qu'il est nécessaire qu'il y ait davantage d'intégration pour une meilleure interopérabilité des systèmes de données.
Il s'agit là des points essentiels que nous avons pu retirer des présentations. Dans le chat, des questions très intéressantes ont été soulevées, avec des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, que nous n'avons pas pu traiter pendant la réunion en raison des limitations de temps. Une question en particulier qui concerne la façon dont on peut s'assurer pour que les données soient gérables, que les plus marginalisés ne soient pas exclus du système de données. Pour ce système CIG de l'avenir doit également être à l'échelle de tout le système et doit suivre le bien-être des élèves et des enseignants. C'est devenu quelque chose de très important pendant la fermeture des écoles. Malheureusement, la qualité du son ne permet pas d'assurer l'interprétation. Nous avons donc retiré les points saillants exprimés par les intervenants d'hier. Il faut s'assurer, par exemple, que la collecte de données soit équitable, une approche équitable à la collecte des données, et ce, en particulier pendant la phase de transition. Il faut qu'il y ait des approches multiples à la collecte de données pour que tout soit inclus. La couverture sectorielle doit également être assurée avec des sources multiples de données. Il y a les données du recensement des écoles, mais également les enquêtes des ménages qui permet d'avoir des informations sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance, la formation professionnelle, par exemple. Le suivi du bien-être des élèves et des enseignants, un élément très important qui, pour le moment, n'est pas intégré au système CIG. Mais il devrait être possible de s'intéresser à la possibilité d'assurer le suivi de cet aspect-là. Ensuite, un accord sur le périmètre des CIG. Aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres intervenants. Hier, nous avons parlé des enseignements tirés, des expériences de l'an passé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir. Donc, nous allons voir à quoi devrait ressembler le CIG de l'avenir et de quoi avons-nous besoin pour faire en sorte que ces CIG de l'avenir soient opérationnels. Comment les CIG peuvent-ils utiliser les technologies modernes? Nous nous réjouissons de la discussion d'aujourd'hui qui, je suis certaine, sera fort intéressante, si vous avez la parole. Merci beaucoup, Satoko, pour cette excellente présentation. J'invite maintenant les participants à partager leurs commentaires et leurs questions par le biais du chat. J'invite également les intervenants à s'en tenir au temps imparti. Et on posera les questions pendant la session questions-réponses. Je vais maintenant passer aux Français. La session prochaine porte sur les capacités et approches pour l'avenir du CIG, système d'information pour la gestion de l'éducation. Donc cette session sera modérée par Stéphane Vincent Lacrainte de l'OCDE. Stéphane est analyste principal et chef de division adjoint à l'OCDE, Direction de l'éducation et des compétences. Il dirige actuellement les travaux sur l'éducation pendant la crise du COVID-19, mais aussi les travaux de l'OCDE sur la numérisation dans l'éducation, notamment dans le cadre du projet Smart Data et technologie numérique dans l'éducation. Il dirige également les travaux relatifs à l'innovation disciplinée et à la gestion du changement, en particulier sur la promotion et l'évaluation de la créativité dans l'éducation. Plus généralement, il travaille sur l'innovation dans et par l'éducation, sur la recherche en éducation et sur la manière dont les nouvelles tendances influencent l'avenir de l'apprentissage et de la politique éducative au niveau de l'enseignement scolaire et supérieur. Stéphane,
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été invité pour modérer cette session, donc sur les capacités techniques, humaines et financières qui permettent de développer des systèmes d'information de la gestion de l'éducation. Donc, on va avoir un très excellent panel, en fait, avec des présentations qui vont permettre, en fait, de partager un petit peu l'expérience de différents pays, de la crise, et puis aussi, en fait, sur tous les défis qu'il y a, donc, pour développer les capacités dans ce domaine-là. Donc, on aura avec nous Shilo Naiken, de l'Afrique du Sud. Étant donné le temps, je ne vais pas lire longuement les biographies que vous avez dans le programme, mais qui est en fait le Chief Information Officer au ministère de l'Éducation basique. Francesca Pina, qui travaille à l'UNESCO, qui travaille en fait dans l'éducation pour la migration, les déplacements et les urgences. Alpha Ba de Gambie, qui lui aussi en fait est un des chefs sur tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, et qui travaille évidemment sur les systèmes d'information de la gestion de l'éducation. Et enfin, Rouba Omari de Jordanie, qui est la directrice du Centre Queen Rania pour l'éducation et la technologie de l'information, donc au ministère de l'éducation. Donc, chaque présentateur va avoir 8 minutes et je leur demande à tous d'être stricts sur le temps pour qu'on ait un petit peu de temps pour la discussion et donc on pourra avoir ensuite une discussion un peu plus générale. Donc, Shilo, la parole est à vous. Shilo, you are unmuted. Go ahead now. Ah, great. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je voudrais couvrir quelques effets de levier des leçons appris du COVID-19 du point de vue de l'Afrique du Sud. Je vais donc couvrir le paysage des écoles dans l'Afrique du Sud, quelques réflexions 2020, ensuite utiliser les systèmes et les données, comment nous avons utilisé les données du CIGE en allant de l'avant et comment nous voyons l'avenir. Alors, vous voyez ici un tableau de bord, en haut, nombre d'écoles. Nous avons 25 475 écoles. Et vous voyez comment c'est divisé. Nous avons 456 000 éducateurs qui sont responsables pour l'éducation de 13 millions d'apprenants. Et à droite, vous voyez les répartition. Vous voyez les perspectives du CIGE, nous avons des politiques très fortes, mais ce qui nous manquait, en fait, c'était des données en temps réel. Du point de vue financier, nos budgets opérationnels ont été diminués pour financer les PPE et les financements ont été utilisés pour l'économie. Il fallait donc trouver les moyens d'améliorer le système et il a fallu réfléchir sur le CIGE. Alors, le système a été bien délimité ainsi que sa modernisation. Il y a donc cette vérification et la validation. De point de vue de gestion des données, il y a, si vous voulez, la vérification et la validation obligatoire et non obligatoire. Certaines données n'ont pas été validées, donc l'exactitude
Égypte a été remise en question et la plus grande leçon que nous avons appris était autour des données et la culture de la gestion des données. Le soutien des systèmes, nous avons un système plutôt rigide, donc le temps au marché, temps à la valeur a été remis en question. L'intégration pour l'automatisation de la vérification de données et la validation était remise en question. Et nous avons développé une solution mobile pour la recueil, pour le recueil de données. J'y viendrai un peu plus tard. Malheureusement, le son de l'orateur va et vient, n'est pas toujours audible. Ensuite, la connectivité électricité n'était pas toujours là. Nous avons donc un système mixte en ligne et hors ligne. Donc voici les réflexions, une prise de conscience, l'adaptabilité, l'agilité. La dépense intergouvernementale pour le soutien de l'infrastructure. Du point de vue des missions de SIEG, en dépit des défis, nous avons appliqué une approche ajustée aux risques différenciés pour la réouverture des écoles et basée sur les données du département de santé. Et nous avons ensuite essayé de voir comment on le met dans un tableau de bord qui a été développé. Et chaque école a été analysée. Et le retour ou l'ouverture de l'école, nous avons avec succès défendu dans les cours, même le cours constitutionnel, le cours le plus élevé, 8 fois sur 9. Et nous avons également partagé ces données avec d'autres agences gouvernementales. Voici les réponses au niveau d'alerte au risque. Voilà comment nous avons appliqué le niveau d'alerte au risque. Vous avez les différents districts ici et vous voyez les niveaux. Les hotspots, les lieux de vigilance, quelles écoles étaient affectées. Et ensuite, avec ces données, nous pouvions dire que dans une zone de risque, ensuite, c'était plus facile de savoir quelles écoles nous pouvions ouvrir, secondaires, combinées ou les écoles spéciales. Learners, and that's a different approach. And this data. Ces données nous ont été données par le système de SIEG. Ensuite, la préparation de l'école pour la réouverture. Et ici, nous avons regardé l'approche manuelle pour le recueil des données à travers 14 indicateurs clés. C'était un processus où nous passons 3 à 4 heures à faire le rapport toutes les semaines. Les données ont été converties en rapport. Et nous avons utilisé le système WhatsApp pour des rapports plus faciles. Les équipes de gestion de l'éducation maintenant pouvaient avoir une idée sur l'état de chaque région, de chaque école, par rapport à leur préparation à travers ces 14 facteurs. Voici les tableaux de bord qui ont été développés pour chacune des provinces. Et voilà comment nous avons utilisé les données venant du SIEG. Maintenant, comment pour aller de l'avant, nous nous sommes rendus compte que les données SIEG et les données que nous avons extraites étaient plus sur le respect de la compliance et difficiles à recueillir. Nous avons donc décidé, du point de vue d'organisation, que l'école au niveau opérationnel recevra une solution SIEG ouverte qui permettra à l'école de communiquer avec son administration et sa gestion. Nous recueillons ensuite les données apprenants, enseignants, gestion et administration pour gérer les districts et les écoles.
Et au niveau du département de province, ce sont des données stratégiques. Et au niveau national, nous regardons au niveau de la décision politique. Donc de la politique jusqu'à la mise en œuvre, et cela revient pour le suivi. Et ce que nous faisons, c'est que le système solution regarde un produit système le cœur du système. Ce que nous appelons le Business Rules Engine prend les politiques et les convertit, ces politiques, en règles qui gèrent le système. Du point de vue de fonctionnement principal au cœur, nous avons tous ces différents éléments. In terms of the what we call the business process. Vous avez la communication, la notification. And a large portion of this. Et la gestion de l'école. Ça va vous donner une idée, vous pouvez le regarder plus en détail. Alors, ce qu'il nous faut, c'est recueillir les données, interpréter ces données pour que nous puissions les utiliser pour les interpréter. Et pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage par la machine, ressortir vos données avec un sens qui peuvent être utilisés. Et il y a tout un storytelling autour, un récit autour de cela. Donc l'idée, c'est de réutiliser nos données pour ajouter de la valeur, pour apporter des actions importantes ou de prévoir si un apprenant va avoir un succès ou va échouer, et également regarder son comportement pour un meilleur résultat. Donc voici la fin. Il y a d'autres diapositives qui vous fourniront davantage d'informations. Merci Stéphane. Retour à vous. Merci beaucoup Shiloh. Excellente présentation. Nous avons appris beaucoup de choses intéressantes, des données, des indicateurs que vous avez pu collecter, et c'est une approche très intéressante. Et j'espère que nous aurons le temps pour en parler un peu plus tard. Et merci beaucoup d'avoir respecté le temps qui vous a été imparti. Good morning, everyone. I can't share my screen because Dr. Macken, I think you have to. Je ne parviens pas à partager mon écran. Il faut que vous arrêtiez de partager le vôtre pour que je puisse partager le mien. Bonjour, ma présentation va durer 10 minutes et met l'accent sur des aspects pratiques qui devraient orienter nos efforts d'élaboration des CIG, en particulier pour la construction de la résilience et en particulier dans les situations d'urgence. Nous essayons de tirer des enseignements de la crise du Covid, et il est donc important de montrer que ce que la crise du Covid a montré, ce sont les défis auxquels sont confrontés les systèmes d'éducation en situation d'urgence. L'éducation, en effet, lorsqu'il y a une crise, sont parmi les premiers services qui sont interrompus et les derniers à reprendre, ce qui ne fait que souligner les vulnérabilités existantes des apprenants et des éducateurs dans les systèmes d'éducation. Il peut s'agir des systèmes, des services les plus essentiels, tels que des services de nutrition, de santé. Donc, à moins de comprendre les barrières et les inégalités qui restreignent l'accès à l'éducation pour ces enfants, on risque d'augmenter la possibilité d'exclusion permanente de ces enfants de l'éducation et faire en sorte qu'ils soient encore plus marginalisés. Lorsqu'on réfléchit à l'amélioration des systèmes d'information,
améliorer le fonctionnement et l'utilisation des données, il faut réfléchir à la meilleure façon d'identifier et de répondre aux barrières auxquelles sont confrontés ces enfants et trouver les meilleures réponses. Il peut s'agir d'une excellente source d'information si c'est bien adapté et peut éclairer les réponses, la préparation à la réponse, à la reprise après les crises. Nous avons mené des études de cas dans les 6 contextes que vous voyez en situation de crise afin de comprendre comment les 6G éclairent les pratiques d'éducation qui impactent les travailleurs de l'éducation ainsi que les apprenants dans des situations d'urgence et de crise, dans la planification pour la continuité de l'éducation, protéger l'investissement dans l'éducation et la résilience en conformité avec le plan. Ces 6 études de cas essayaient de comprendre comment les 6G étaient utilisés ou pas pour éclairer les cycles programmatiques et les efforts coordonnés liés à l'évaluation des besoins et à la planification de l'éducation. Les ministères de l'éducation dans ces 6 pays génèrent énormément d'informations qui sont souvent pertinentes aux questions de l'éducation et d'urgence, mais il y a des défis par rapport à la rapidité, à la qualité, à la pertinence, à la disponibilité de ces informations. Ce cycle mène à une duplication des données, une fragmentation des données, une faible coordination du partage et de l'utilisation de ces données, une utilisation inefficiente des ressources, à la fois du point de vue humain et financier. Nous avons ici 3 piliers qui sont liés les uns aux autres et qui doivent être gérés de façon global. Tout d'abord, l'environnement institutionnel. Il s'agit des cadres institutionnels, politiques et juridiques sur les 6G et la production d'informations, mais il faut également faire le lien avec les engagements institutionnels et objectifs institutionnels sur l'éducation et les situations d'urgence et au-delà. Bien souvent, il y a un lien trop faible entre ces différents cadres, ce qui aboutit à des capacités insuffisantes au niveau humain, technique et financier à cause d'une utilisation inefficace de ces systèmes d'information. En ce qui concerne la production de données, il y a des faiblesses par rapport à la couverture géographique. Il y a certaines zones géographiques qui n'étaient pas représentées dans ces systèmes d'information. Des groupes cibles non plus, tels que des groupes affectés par le déplacement, le handicap, certaines zones géographiques, ou les enfants déscolarisés par rapport au champ également. Les indicateurs n'étaient pas toujours inclus dans les 6G. Des difficultés aussi liées à la rapidité, la qualité, la pertinence, la disponibilité de ces systèmes. Et puis, en dernier lieu, des difficultés liées à la diffusion et à l'utilisation des données qui ont un impact sur la situation. Ces données auraient pu être disponibles et ceci est lié à des défis au sein des ministères de l'éducation et avec les partenaires des ministères sur la coordination pour le partage des données pendant la phase d'évaluation, de planification et de suivi. Ce que nous avons compris suite à ces études de cas par rapport à ce dont il faudrait tenir compte pour nos efforts futurs, ce sont ces 3 piliers, l'importance de ces 3 piliers sans lesquels on ne parvient pas à des interventions efficaces. Il n'y a pas de solution unique, il faut tenir compte de la spécificité du contexte pour toute intervention. Il faut que la coordination et la durabilité soient au cœur de ces améliorations et avoir une perspective du point de vue de l'utilisateur pour améliorer ces systèmes. L'UNESCO ainsi que Education Cannot Wait et NORCAP
l'agence suédoise d'aide au développement a émis des recommandations sur l'Éthiopie, le Soudan et le Tchad, orientées par différentes pratiques sur le terrain. Depuis le début de l'année et pendant les années à venir, nous avons mis en place des actions autour de ces quatre éléments que vous voyez sur la diapo. Le premier concerne le renforcement et le lien entre les cadres institutionnels, juridiques, politiques et institutionnels autour des sujets de l'éducation en situation d'urgence. Deuxièmement, renforcement des capacités des systèmes sur l'analyse du sectoriel. Sensible à l'élément de crise, planification, pour vraiment comprendre pourquoi nous collectons ces données et quelles sont les données que nous voulons développer. Des outils de collecte et de traitement de l'information doivent être examinés. Tout ceci doit se faire tout au long de la chaîne de données. Comme cela a été dit tout à l'heure, ceci doit se faire jusqu'au niveau de l'école, qui sont finalement les bénéficiaires de ces données. Il faut également renforcer la coordination sur les données avec les ministères de l'Éducation, les ministères de tutelle et les partenaires. Ceci concerne les partenaires et les ministères qui travaillent dans d'autres secteurs en lien avec l'éducation, tels que la santé, la nutrition, j'espère que j'ai pu m'en tenir aux 10 minutes qui m'étaient attribuées. Je sais qu'hier, nous avons un peu dépassé. Vous en êtes bien tenu autant en partie. Je vous remercie. Ces trois piliers, en effet, sont particulièrement importants. L'aspect crise est également très important. Il s'agit d'un indicateur pertinent, puisqu'il s'agit là d'un des aspects de la crise Covid. J'invite maintenant Alpha Ba à prendre la parole. Hello, good up. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons, merci beaucoup. Donc, je suis Alpha Ba de la Gambie, du ministère de l'Éducation de base, et je suis très heureux de faire partie de cette initiative que nous continuons depuis 2018, l'année où nous nous sommes rencontrés à Paris pour le CIJ. Et le moment est bienvenu pour faire un état des lieux. Et comme vous voyez sur cette diapositive, nous parlons de l'innovation du CIJ dans le Gambie, Uganda et Eswatini. Et vous voyez l'emblème du Ghana, le logo pour les deux autres pays. Et en bas, vous voyez le DHIS2, le logo. C'est très important car certaines personnes demande pourquoi je fais la présentation pour les autres pays et partenaires. Et je pense que, comme vous le savez depuis hier, vous êtes sûrement rendu compte que la question des données devient très intéressant et très vraiment nécessaire, reprend une autre dimension. Et vous savez, il y a un dicton qui dit que lorsqu'on va trop rapidement aller tout seul, mais lorsqu'il faut aller plus loin, vous avez besoin de partenaires, vous avez besoin des autres. Et c'est la raison pour laquelle il faut renouer des partenariats avec des collègues et d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avançons avec nos partenaires que vous voyez ici. Alors, dans le contexte de la pandémie, la question des données, en particulier pour le secteur de l'éducation, a été d'une grande, un grand défi avec la fermeture des écoles. Le besoin de données à jour était vraiment très important pour informer comment mieux gérer donc la clôture des écoles et le planning au niveau du pays pour être sûr que
l'apprentissage continu et donc répondre aux exigences des données changeantes était très important pour préparer le plan de réponse à la COVID-19. Soutien pour les dispositifs en ligne et hors ligne. Avec des problèmes d'électricité, la connectivité. Donc, cette question de en ligne et hors ligne sont très importants. Ensuite, la capacité, bien sûr, pour l'innovation locale dans les efforts du CIR sont basés sur le soutien des pays partenaires. Et aujourd'hui, comme les pays devaient apporter la capacité de l'innovation pour les données, il faut beaucoup de capacités et partenaires qui puissent travailler avec vous. Il y a un besoin de synergie à travers les secteurs, en particulier au sein des pays, d'un secteur à l'autre, et l'utilisation des données existantes, en particulier les données statistiques, données des recensements, GIS, données d'état civil, etc. Alors, il faut dépendre dans des données secondaires pour la politique en matière d'ouverture, la clôture des écoles, etc. Alors, ici, une demande de changement, de ce décalage, de changement de siège. Depuis 2016, le fossé des données était déjà là, mais lorsque le COVID est arrivé, c'était encore plus grand. Aujourd'hui, les données doivent venir de l'environnement à l'extérieur, de temps à distance, d'apprentissage à la maison, soutien pour cela, etc. Cela veut dire que des données qui se concentrent sur le prenant, et lorsque vous cherchez des données de l'apprenant, il faut regarder les paramètres autour de lui, les données socio-économiques, des données qui sont nouvelles et qui mesure également l'équité et la question d'inclusivité et les défis. Comme vous savez, pratiquement tout le monde est à l'école, mais le défi, c'est l'apprentissage. Comment mesurer l'apprentissage? Quels indicateurs présenter sur les questions de politique pour que nous puissions vraiment avoir un game changer pour ce qui est de ce défi. Alors, lorsque la pandémie est arrivée, ces données au niveau de l'école ne suffisaient pas, il fallait les donner encore plus larges. Pour ce qui est des types de données, les efforts que nous déployons actuellement, même si nous sommes au niveau individuel micro, ces données de micro-niveau, vous avez besoin de les agréger. Vous avez besoin de petites données pour arriver aux données agrégées. Alors, comment est-ce que les écoles, les partenaires de la communauté, la collectivité locale utilisent les données au niveau de l'école qui puissent les bénéficier? Les données agrégées devraient bénéficier tout le monde, mais si nous manquons ceux qui sont les plus importants, les acteurs les plus importants, les enseignants de la salle de classe qui ont besoin de ces données lorsqu'ils ont besoin de faire des réformes au niveau scolaire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce qui est de l'architecture, la plateforme l'e-gouvernement ouvert, comme je vous disais, nous avons besoin de partenaires. Ce que nous essayons de faire dans la Gambie, nous incluons le ministère de la Santé pour que nous puissions avoir des indicateurs qui se chevauchent pour l'ODD. Vous avez des indicateurs tels que nutrition, la protection sociale, la propreté de l'eau ou les systèmes sanitaires. Tout ceci implique l'inclusion des autres secteurs et l'interopérabilité d'un secteur, pardon, à l'autre.
soutien localement du ministère de la Santé. En d'autres mots, comment utiliser ce partenariat et s'étendre vers d'autres secteurs? Des données en temps réel. Vous avez des répertoires que tout le monde peut accéder. Vous pouvez comparer avec d'autres données, données de santé par exemple. Voici les choses qu'il faut avoir localement. Utilisons nos systèmes institutionnels au niveau local. Vous voyez certains des exemples pour générer ce genre de données lorsque vous les avez en ligne. Prochaine diapositive. Ici, vous avez un exemple de Eswatini. Comment ces données peuvent aider les décideurs politiques de vraiment analyser les données comme il faut. Donc, maintenant, je viens à la partie innovation. Alors, en Gambie, nous avons une très bonne innovation. C'est un système de participation de l'enseignant au quotidien. Assistance donc de l'enseignant et de l'apprenant. Nous l'avons normalement à la fin de l'année scolaire, mais grâce à la disponibilité de ces données et l'utilisation des téléphones portables, les SMS, etc., aujourd'hui, nous pouvons avoir les données de participation au quotidien et nous pouvons savoir quelle est la situation tous les jours au lieu de tous les ans. Prochain diapositive. C'est un autre exemple qui est utilisé par DHIS ou le ministère de la Santé. Vous avez ici que nous pouvons utiliser de telles opportunités. Utilisons des données telles que présentées sur ce diapositive. Ici, vous avez un autre exemple au Sri Lanka où ils utilisent les registres de vaccins COVID. En un mot, je pense qu'il y a déjà de très bonnes expériences aussi utilisées. Et nous allons donc suivre ces schémas. Dernier diapositive, ce sont les défis et les voies pour l'avenir. Fragmentation parmi les acteurs de recueil de données. Il y a le problème d'interopérabilité. Nous avons une série de données et comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a que les données ont un sens? Comme je vous disais, les ODD4, nous avons encore des fossés d'évaluation d'apprentissage pour quelqu'un qui fait l'apprentissage à distance. Comment est-ce qu'on peut vraiment remplir les besoins de l'éducation spéciale? Alors, ce qui est bien, c'est que nous voulons travailler avec les partenaires et d'assurer qu'il y a cet écosystème. Nous avons les universités et nous voulons nous assurer que les universités jouent un rôle. Pendant longtemps, nous avons laissé les universités de côté dans le siège. Ce qui était fait était tiré par les bailleurs et les partenaires locaux ici et là. Mais les
universités ont toujours été là et ont fourni les informations. Comment est-ce que l'université en Gambie donne un soutien pour le CIJ? Nous utilisons leurs données, les capacités de ce pool vient de là. Les besoins de personnes qui ont besoin est énorme. Nous avons des internes qui agissent comme personnes du CIJ. Comment est-ce qu'on va le faire durer? Même lorsque le groupe était petit, la durabilité était difficile. Maintenant, lorsqu'on regarde la situation, il faut se poser la question. Nous avons de très bonnes universités et qui peuvent véritablement aider. Donc voici ce que nous voulons faire. Merci, Eva. Il faut que tous les récepteurs soient pris en compte. Merci beaucoup. Merci, très impressionnant. Vous pouvez voir les tableaux de bord et vous avez souligné des questions très importantes telles que les données en temps réel. Maintenant, je voudrais inviter Ruba Omari pour faire sa présentation. Et si vous voulez poser des questions, mettez les questions dans le chat pour que nous puissions, tout le monde puisse les voir et nous puissions utiliser la question, le temps pour les questions de façon efficace. Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement qui m'ont invité ici pour représenter mon pays et partager l'expérience de la Jordanie aujourd'hui. Je parlerai des capacités humaines, techniques et financières nécessaires pour un renforcement des capacités en Jordanie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, allumer votre caméra, Robin? Merci. Je vais sauter avec le calendrier de mise en œuvre. Notre système de CIJ ouvert a été mis en place en Jordanie en 2014 grâce à un financement de l'Union européenne. En 2016, Open EMIS a été lancé après avoir été testé. Fin 2017, Open EMIS avait été adapté, était opérationnel. Il s'agissait donc de la phase 1 de ce qui était demandé par le ministère de l'Éducation. Open EMIS est lié avec le département du statut civil et des passeports. En 2021, une évaluation de l'EMIS de la Jordanie a été menée en utilisant la méthodologie Saber-EMIS. La qualité de l'utilisation des données pour éclairer la prise de décision ont été évaluées, ce qui a mené à une consolidation de la feuille de route qui était intégrée à un plan opérationnel pour le ministère de l'Éducation de la Jordanie 2020-2022. Il s'agit là de la deuxième phase du plan Open EMIS de la Jordanie. Les principaux éléments pour un environnement favorisant des CIJ en Jordanie sont tout d'abord des capacités, une structure organisationnelle du ministère de l'Éducation, les ressources humaines, un cadre juridique, une culture axée sur les données, la capacité institutionnelle et le budget suffisant pour les sujets au sein du ministère de l'Éducation. Élément 1, les capacités en matière de CIJ. Il s'agit d'un domaine prioritaire de mettre en place les stratégies pour promouvoir le développement de ce système de données. Les types de capacités CIG nécessaires en Jordanie sont les suivants. Tout d'abord,
capacité opérationnelle, en particulier au niveau des écoles et à la direction sur le terrain, et capacité de gestion au niveau central. Nous avons classifié ces capacités, nous les avons catégorisées selon trois niveaux. Solide, moyen ou nécessitant davantage de renforcement. Donc vous voyez que les capacités qui sont déjà solides sont en noir, moyennes en bleu et nécessitant une amélioration en rouge. Deuxième élément, la structure organisationnelle du ministère de l'Éducation. Il est important de se souvenir des rôles de tous ceux qui ont besoin de ces informations à tous les niveaux. Notre action à ce niveau-là, la structure REN-RANIA a consisté à reformuler un mécanisme de coordination au sein du ministère de l'Éducation. La politique de CIG a renforcé la coordination entre les différentes fonctions au sein du ministère de l'Éducation. Élément 3, il s'agit là des ressources humaines. Il est important en ce qui concerne les ressources humaines que les gestionnaires comprennent dans quelle mesure les activités d'emploi ont un impact sur les CIG, en particulier l'élaboration de descriptifs, de cahiers des charges pour chaque poste. Ceux qui travaillent à cette unité doivent bien comprendre chaque poste et son rôle dans le cycle. Les actions comprennent des termes de référence, un cahier des charges, pour que cela soit en adéquation avec le manuel qui a été développé pour bien clarifier toutes les responsabilités du CIG. Il faut également définir et modifier les tâches particulières. Puis élément 4, le budget. Il est important qu'il y ait un budget adapté afin de s'assurer de la continuité des opérations, la durabilité des systèmes et de l'efficacité. La politique en matière de CIG met en place les principaux postes budgétaires pour les CIG, pour des accords de maintenance sur le logiciel et sur le matériel pour que celui-ci puisse être remplacé par le cloud. Il est nécessaire qu'il y ait un cadre juridique pour appuyer la pérennité du système. Cette politique est en élaboration. Le ministère de l'Éducation viendra rendre ces politiques opérationnelles. Élément 6, les capacités en matière d'infrastructure. Le CIG doit avoir une infrastructure bien définie qui lui permet de réaliser ses fonctions de collecte de données et autres de façon intégrale. Nous avons commencé avec un data center de base et un centre de collecte des données qui a été amélioré. Nous avons maintenant une solution par cloud pour OpenEMIS. Nous en analysons les coûts et bénéfices. L'analyse est donc en cours. Le réseau informatique a été construit pour relier toutes les directions scolaires et pour leur fournir des services informatiques et Internet. Ensuite, élément 7, une culture de prise de décision axée sur les données. Les données doivent être utilisées de façon efficace pour une meilleure prise de décision. Nous avons élaboré des tableaux de bord en utilisant ces outils CIG, un mini tableau de bord CIG, un plan stratégique et des KPIs éducatifs, donc un tableau de bord consacré à ces KPIs.
En dernier lieu, dans ce document de travail, nous avons dit que nombre de CIG ne sont pas préparés à bien gérer l'éducation, en particulier dans une situation de crise. Ceci nécessite des efforts incessants donc pour combler cette lacune et pour élaborer un programme d'enseignement à distance. Je vais rapidement parler des priorités pour la phase à venir. Tout d'abord, l'amélioration des capacités en matière d'infrastructure et de technologie du ministère de l'Éducation. Une application mobile a été développée. Les CIG sont développés. Le ministère de l'Éducation a également élaboré une analyse coût-bénéfice pour une intégration entre OpenEMIS et le système de mesure de l'apprentissage élaboré par le ministère de l'Éducation. Il faut également qu'il y ait une intégration avec d'autres systèmes. Priorité numéro 3, améliorer les systèmes, la qualité et la fiabilité des données CIG. OpenEMIS est assez fiable, assez exact et permet d'alimenter la plateforme de données. La qualité de données des CIG et des outils de suivi de la qualité de ces données sont en cours d'élaboration. Nous avons des modules de suivi des données dynamiques qui sont en cours d'élaboration. Le plan opérationnel a prévu des activités pour améliorer le reporting des statistiques avec un module de reporting dynamique, puis le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de gestion du temps et de capacité à travailler dans des situations de crise. Le plan opérationnel qui était mis en œuvre est basé sur une approche de renforcement des capacités bien définie et robuste, y compris des rôles et responsabilités qui y sont associés. Merci beaucoup, Rouba. Vous avez fort bien souligné les différents éléments et la complexité du système CIG et de la stratégie qui est nécessaire pour le rendre utilisable. Nous avons le temps de répondre à une question. Il y a des commentaires, des questions dans le chat, l'importance des études de cas, des considérations d'ordre pratique. Une question concernant la connexion au système des écoles rurales. C'est une question qu'on pourrait poser à Alpha, mais tout aussi bien à Francesca. Soyez bref dans votre réponse, s'il vous plaît. La question porte sur l'accès au système des écoles rurales. À l'heure actuelle, nous essayons de suivre les individus. Si vous avez des besoins particuliers, il faut vraiment essayer de cibler les individus, assurer un suivi individuel. Voilà. Francesca, est-ce que vous avez des exemples dans les pays dans lesquels vous travaillez? En ce qui concerne les études de cas, eh bien, dans certains cas, il faut trouver des solutions high-tech ou low-tech qui permettent d'accéder aux endroits les plus éloignés, les plus difficiles d'accès. Il y avait une question dans le chat au sujet d'une approche très descendante et par rapport aux défis que connaissent les chefs d'établissement pour compiler ces questionnaires. Ça suppose toute une charge de travail, donc. Est-ce que c'est une question d'accès ou est-ce qu'il s'agit de faire attention de ne pas collecter trop de données qui n'est pas forcément pertinente? Ça, c'est quelque chose qui a vraiment orienté nos réflexions dans notre travail. Merci beaucoup. Shiloh, est-ce que vous avez un commentaire sur ce sujet?
Je vous remercie. Deux choses. Tout d'abord, en Afrique du Sud, nous permettons à nos utilisateurs d'être derrière la conception du système. Ça, c'est vraiment une initiative dans tous les départements d'éducation régionaux. Ce que nous faisons, c'est que nous construisons une solution hors ligne pour que les activités puissent être menées et que le système leur permette de faire leur travail. Donc il ne s'agit pas uniquement de collecter des données, mais de fournir un outil qui vous aide à votre administration, à votre gestion. Et ensuite, les données sont collectées par ce biais. C'est très difficile de trouver le juste équilibre parce que les écoles rurales n'ont pas autant de services que les écoles urbaines ou semi-rurales. En Afrique du Sud, nous avons toutes sortes d'écoles de différentes natures, donc il est difficile de trouver une solution unique. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Francesca. Quoi que vous fassiez, il faut avoir un impact significatif, savoir ce à quoi on veut parvenir. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Ruba, est-ce que vous avez une réponse à la question qui a été posée ? Je demandais à Ruba si elle souhaitait faire un commentaire sur cette question. Pas de souci. Je remercie les panélistes pour leur excellente présentation. Les points saillants là-dedans concernent la rapidité, la qualité des données pour qu'ils soient pertinents pour les différentes parties prenantes, l'interopérabilité et la fragmentation possible des systèmes. Mais il y a une bonne évolution dans ce domaine. Ce qu'on a retiré de la crise, c'est l'importance d'élargir le type d'indicateurs que l'on collecte. On comprend également mieux les défis sur le terrain. Il y avait un fil rouge concernant toutes les problématiques en ligne, hors ligne, etc. Mobile. Donc je vous remercie pour cette section fort fructueuse. Et je redonne la parole à Daishen pour la session suivante. Cette modération très efficace et excellente. Maintenant, on va passer à la prochaine session. Avant ça, j'aimerais inviter en fait les speakers, les présentateurs, à jeter un coup d'œil en fait sur la salle de chat. Parce qu'il y a des questions qui sont posées et donc si vous, les présentateurs, pouvez répondre directement en fait utilisant cet espace. Voilà, donc maintenant on passe à la troisième session de notre séminaire qui porte sur les technologies de pointe à exploiter pour le futur EMIS, SIJ, qui sera modéré par M. Boren Chakun. Boren est le directeur de la division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie au siège de l'UNESCO. Et son travail porte sur les tendances mondiales en matière de réforme des systèmes d'éducation et de formation pour le développement des compétences dans le contexte de l'agenda 2030 pour le développement durable. Il a mené une série d'examens de politique et de diagnostic des systèmes de compétences et a rédigé plusieurs articles et ouvrages sur le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. Donc Boren, tu as la charge de la modération de cette importante session 3. Merci Guanchol, et de récupérer un peu de temps, je suppose. Thank you very much and Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les collègues et que les participants soyez les bienvenus.
Alors, la session parlera de l'impact et les implications des technologies de pointe sur les sièges. Et dans cette session, nous allons d'abord entendre ce que nous voulons dire par ces technologies de pointe. Nous entendons parler des le cloud computing, l'Internet des choses, 5G, intelligence artificielle, etc. Et il serait important de savoir, lorsque nous parlons des technologies de pointe, de qu'est-ce que cela implique véritablement. Et également de comprendre comment les sièges sont ou seront façonnés par ces technologies de pointe. Est-ce qu'ils répondent à une demande ou est-ce qu'ils sont tirés par l'offre dans leur approche? Comment les technologies de pointe peuvent être mises en œuvre dans des cadres à ressources pleines ou pauvres? Quelles sont les barrières? Quels sont les obstacles? Est-ce que les technologies de pointe font créer des obstacles ou font la promotion, font avancer les choses. Donc, pour engager une discussion dans ce domaine, nous avons un panel impressionnant d'orateurs qui vont partager leur point de vue, leurs expériences des officiels de gouvernement, du point de vue corporate et du point de vue global et international. Nous allons entendre M. Avi Sharabi, qui est l'exécutif technologique chez KPMG avec 25 en plus de 25 ans d'expérience dans le développement et le delivery de la transformation à l'échelle des entreprises en Australie et aux États-Unis. Il est à la tête du Digital Delta Team pour le secteur financier, des services financiers. Ensuite, M. Daishen va nous parler. Nous avons déjà rencontré M. Daishen hier, qui est le vice-président senior de Huadong Cloud Education Group, président du groupe Demos et président du Brest Business School. Ce sera un plaisir pour nous ensuite d'entendre M. Ali Al-Yafei, conseiller au ministère de l'Éducation de l'Émirat arabe uni, avec encore plus de 25 ans d'expérience dans les technologies de l'information et la transformation numérique dans le secteur public et privé. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre mon collègue et ami Stéphane Vincent Lancrin, qui est analyste principale et leader de projet à l'OCDE, qui mène un produit très important sur les technologies dans l'éducation et le changement. Ensuite, last but not least, un membre important de la coalition de l'éducation mondiale, Microsoft, Louis Mackay, qui est le Cloud Business Development Team pour Microsoft Education MA depuis 2019 et qui soutient la capacité des systèmes de l'éducation sur le siège moderne. Donc voici le menu et nous sommes impatients d'entendre les collègues. Je serai très stricte pour le temps, donc lorsque nous approcherons de la fin des 7 minutes, je vous le dirai. Vous avez des présentations plutôt longues, donc je vous demanderai s'il vous plaît de respecter le temps qui est imparti pour que nous puissions avoir quelques temps pour la discussion avec les participants. Avi, je sais qu'il est très tard en Australie, mais nous aimerions beaucoup vous entendre sur ce que vous faites à travers le KPMG. Quelle est votre perspective sur les systèmes d'information de gestion? Vous avez la parole, Avi. Merci. Je vais essayer de rester avec les 7 minutes qui me sont imparties. Mais bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité pour que je puisse partager quelques points de vue. Je suis un partenaire KPMG, un associé KPMG. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'impact de la technologie et trois choses que j'aimerais souligner, quelques évolutions des technologies, des systèmes d'information, gestion de systèmes d'information, les personnes avec qui nous avons travaillé, les travaux dans le secteur de l'éducation qui aident à progresser l'éducation en général. Alors,
ce n'est pas quelque chose qui va vous surprendre, mais l'économie mondiale avec l'évolution de la technologie a créé des innovations qui façonnent chaque partie de notre vie. Nous produisons 9 gigabits d'informations par jour et nous avons des répertoires d'informations tels que quantité jamais vue avant. Nous avons une série de big data couplée avec les progressions dans le quantum computing, de calcul quantique. Il faut prévoir les tendances futures, les dispositifs modernes montrent que nous pouvons être connectés à tout moment, partout. Accès à données par les dispositifs nous permet d'avoir la qualité de l'air, le mouvement des personnes et RPA, les processus robotiques, que nos processus d'entreprise sont de plus en plus rapides. Alors, je vais traverser ces parties rapidement pour me concentrer sur le système de l'éducation. Technologie a pénétré à chaque aspect de notre vie. Je voudrais donner quelques exemples de la technologie. La sécurité pour détecter les risques de terrorisme et, par exemple, à temps et de répondre à temps. Surtout le secteur de santé en Australie, nous avons pu recueillir beaucoup d'informations sur les registres de patients. Et donc travailler avec différents départements de santé, utilisation de chatbots et télésanté pour les personnes qui vivent dans les communautés isolées et qui ont des difficultés à voyager. Depuis plusieurs années, j'étais impliquée dans l'industrie des services financiers avec les comportements qui permettent de réduire les risques et nous permet d'avoir une bonne interaction avec les clients pour adresser leurs besoins en particulier. Au KPMG, nous avons utilisé les dispositifs d'Internet des choses, le mouvement des personnes et les sites web. Ensuite, la gestion des actifs tels que les unités de climatisation, la lumière. Nous avons également utilisé intelligence artificielle pour les trains, par exemple, où le trafic change à travers différentes stations qui s'est ensuite rentré dans une planification. Alors, l'utilisation des technologies pour la progrès de l'éducation, mais il y a des défis que nous voyons aujourd'hui dans le travail que nous faisons dans le système de l'éducation. Il y en a 5 que je voudrais soulever. Il y a beaucoup de processus manuels, des systèmes d'administration des étudiants et l'expérience client fragmentée où les enseignants, les parents ont des interactions différentes et je pense qu'il y a trop de charges sur les enseignants, des exigences administratives et un manque d'équité, inconsistance entre les différentes écoles et ceux qui ont, ceux qui n'en ont pas, des écoles riches et pauvres. Et last but not least, l'accès. Vous avez 4 segments. Vous avez l'étudiant, expérience d'apprentissage, expérience d'enseignement, l'environnement d'apprentissage, les écoles du futur et le centre qui sera le département du futur. Et nous voyons 6 éléments qui permettent d'y arriver. Système connecté. Environnement intégré, accès à l'information externe, connaître mieux vos étudiants dans leur contexte de vie, comme nous avons déjà évoqué, traiter avec les étudiants vulnérables où vous pouvez avoir des données des agences externes ou des médias sociaux pour comprendre pourquoi les étudiants ne
viennent pas, leur, enfin, qui ont une participation faible, etc. Et la capacité de consommer cette information, c'est la capacité numérique, la sécurité et la vie privée, et être sûr que les données sont de grande qualité et sied aux objectifs. Ensuite, engagement avec la collectivité, engager la communauté de façon bidirectionnelle, leur permettant d'impacter des processus d'apprentissage et contribuer à comprendre le progrès des étudiants. Une minute, vous avez une minute. Le COVID a créé une urgence où l'institution doit s'adapter et à s'adapter à tous les aspects du système. Si nous devions regarder quelques systèmes de façon spécifique, des enseignants, l'expérience d'apprentissage, il faut que l'élève ait une expérience sur mesure, les parents interagissent avec l'école et une meilleure compréhension à travers un système amélioré. Et beaucoup s'engagent avec les étudiants plutôt que d'attendre que les problèmes surgissent. Disponibilité des informations en temps réel. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement apprenant, l'information, nous pensons, devrait être partagée à travers des systèmes multiples. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ça ait une entreprise collective, partage des curriculums, etc., et permettre les enseignants d'avoir un accès d'apprentissage, mais avoir accès à différents systèmes et sources d'informations. Et l'école devrait être l'endroit où ils offrent différents services et aligner le comme une collectivité à participer et peut-être pouvoir choisir des parties des curriculums qui sont plus adaptées. Ensuite, le coaching est adapté plutôt que de façonner les résultats des écoles. Les écoles rendraient des espaces non disponibles disponibles à la collectivité. Last but not least, le département doit avoir une culture très centrée plutôt que, enfin, un marketplace de services, où l'école peut avoir des services qui sont plus adaptés. Et dernier point, le département aide à travers de nombreuses écoles à avoir des séries de données qui sont sous leur juridiction pour aider avec les évolutions globales et l'amélioration du curriculum et de l'expérience d'apprentissage à travers toutes les écoles. Je pense que je n'ai plus le temps. Je serai heureux de répondre à des questions. Merci, Avi. J'espère que nous aurons le temps pour poser quelques questions. J'aimerais maintenant donner la parole à M. Dai Shen du Wedong Cloud Group. Dai Shen, vous avez 7 minutes. J'espère que vous pourrez respecter les 7 minutes. Certains éléments ont déjà été présentés hier. Et si vous pouviez mettre le plein écran, j'ai vu des commentaires des enseignants. Enfin, des participants, pardon, où la fonte était trop petite. Merci. Thank you, Mr. Warren. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle et je voulais partager avec vous des exemples dans le domaine de la formation professionnelle. Comment est-ce qu'on peut utiliser les données dans la formation professionnelle. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Nous avons travaillé pendant 3 ans avec des écoles et nous avons décidé de nous orienter sur la formation professionnelle parce que nous pensons que nous pouvions accélérer la transformation des apprenants vers la main-d'œuvre grâce à ces systèmes, ce qui permettrait aux régions et aux pays de développer leurs systèmes socio-économiques. Et c'est pour cela que nous sommes concentrés sur la formation professionnelle. La formation professionnelle n'est pas un domaine simple. Il nous faut donc des données, des technologies pour pouvoir venir appuyer les besoins de
cette formation. Nous avons mis au point un système très global que nous avons testé en Chine, en Europe et en Afrique. Vous voyez ici une cartographie de certains métiers pour certaines industries. Nous avons formé les personnes pour leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, grâce à ce système, nous pouvons montrer ce qui a été acquis pendant la formation, ce qui nous permet de mettre en adéquation cette information avec celle contenue sur d'autres plateformes. Ce qui est très important, c'est que lorsque nous collectons des informations sur les processus d'apprentissage, nous pouvons fournir des modèles adaptés à chaque client. Les prises de décision sont différentes dans chaque pays et d'un métier à un autre, l'analyse peut différer énormément, ce qui nous permet de fournir une analyse en profondeur de cette donnée pour améliorer les formations et les systèmes de gestion des données. Hier, je vous ai parlé de notre projet en Côte d'Ivoire, en Afrique. Projet constitué de deux parties. La première est simple. Il s'agissait de construire 13 centres de formation dans différentes régions du pays. Nous avons fourni les centres de formation ainsi que les ressources en ligne et hors ligne. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment mesurer l'efficacité du processus de formation et permettre aux décisionnaires de comprendre les résultats de leur investissement, de ce processus de formation, pour leur permettre de prendre de meilleures décisions. Comme vous le voyez sur cette diapositive, dans nombre de projets, on ne voit qu'une partie d'un système qui est très complexe. Nombre de formateurs ne savent pas vraiment quel est le résultat ils voudraient aboutir, et pour les apprenants, ils ne savent pas non plus exactement quelles compétences ils souhaiteraient acquérir. Donc il s'agit d'aboutir à une analyse qui permet de maximiser le retour sur l'investissement pour le client de ce projet. Trois domaines pour la création de données. Tout d'abord, pour les données qui découlent des processus de formation, nous avons organisé nombre de formations en ligne et hors ligne, en présentiel et à distance, ce qui nous permet de collecter des données de la part de nos stagiaires et de nos formateurs pour savoir quelle est la meilleure façon de transformer les connaissances et les compétences. Nous avons une galerie en ligne qui montre quel est le meilleur produit. Après toute formation professionnelle, les apprenants souhaiteraient réussir dans leur métier. Puis nous aimerions aider la Côte d'Ivoire à mettre en place un centre de données national, collectant des données sur la formation professionnelle et sur l'industrie, ce qui leur permettra d'identifier les compétences nécessaires dans chaque secteur et dans chaque métier, ce qui permet également de distribuer des cartes d'identité professionnelle à tous ces jeunes apprenants. Voyez ici le rôle joué par les chambres de commerce nationales. Lorsqu'on réfléchit aux données et à la formation professionnelle, il est nécessaire de réfléchir à ce qui se passe après la formation, à l'efficience du métier et de la formation. Ici,
Ici, il s'agit d'un système national associé avec un système local, associé avec un système professionnel, ce qui nous permet d'aboutir à une analyse très complète. Et nous aidons donc le gouvernement à mettre en place leur système d'analyse et leur système de données. Merci beaucoup. Votre présentation est très importante parce que cela nous donne une perspective supplémentaire sur la formation professionnelle, l'aspect apprentissage tout au long de la vie, le lien avec le marché et le lien qui est fait entre le système de formation et le marché professionnel. Je souhaiterais maintenant donner la parole à M. Ali Yaifei du ministère de l'Éducation des Émirats Arabes Unis. Monsieur, vous avez la parole. Vous avez 7 minutes. We cannot hear you, sir. Okay, can you hear me? Oui, nous vous entendons maintenant, merci. Je voudrais remercier l'UNESCO pour cette session et je voudrais présenter notre écosystème du ministère des Affaires éducation, ministère de l'Éducation. Commençons avec cette mission en 2016. Nous avons posé la question à savoir comment est-ce que nous pouvons construire un écosystème qui capte toutes les activités de l'enseignement, d'apprentissage et de la gestion de l'éducation. Nous avons conçu un système qui peut nous donner la durabilité des données, quelle que soit la source de ces données, quel que soit le système sans frontières. Pour que les données soient utiles et la fonction couvre toutes les fonctions qui sont nécessaires pour tout le spectre de l'éducation et donne également des modèles de données 360 pour l'apprentissage, l'enseignement et la gestion. Cela peut incorporer et veiller à ce que ça incorpore les technologies les plus récentes au fur et à mesure que cela avance. Nous avons le cœur de l'écosystème où nous regardons le vue pédagogique, les différents types de pédagogie d'apprentissage, y compris les nouvelles pédagogies venant avec la pandémie de COVID-19. Et le point de vue de l'utilisateur, que ce soit l'étudiant, l'enseignant, les parents, le ministère, et les différentes activités, les fonctions qui sont nécessaires pour capter cet écosystème, que ce soit pour gérer la planification, l'optimisation, faire des études et recherches pour enseignants et enseignement et apprentissage. En plus, nous avons veillé à ce que les composants puissent servir les différents points de vue du point de vue pédagogique à celui de l'utilisateur. Alors, vous avez 7 composants dans cet écosystème. Vous avez le traditionnel SIGE, qui est le système de gestion des écoles, de l'étudiant, d'enseignant, le SIGE traditionnel. Ensuite, vous avez des sources abondantes de contenu d'apprentissage et de donner des plateformes et des outils pour avoir l'apprentissage par les machines, l'analytique et des modèles prédictifs avancés. En outre, nous assurons que nous incluons les solutions verticales telles que Alex, Aleph, Century, Macro Hill, et nous incluons également les évaluations comme composants de cet écosystème. Et les auteurs pour le contenu, y compris la cartographie des résultats d'apprentissage et les activités restantes de cet écosystème. Alors, au fond, nous avions des fondations que nous avions construites. Nous avons commencé dans l'EAU, l'établissement de l'infrastructure scolaire en fournissant la classe intelligente, les dispositifs, la connectivité et les systèmes d'apprentissage centraux. Et vers 2018, nous avons commencé la première phase de plus grande intégration entre la plateforme où nous avons l'information intégrée faite par les systèmes multiples, l'utilisation, recueil des données et fait de
une seule point d'entrée, n'a pas de frontières, si vous voulez, c'est sur la participation, le calendrier, la notation, le comportement, etc. Ensuite, nous nous sommes dit qu'il y a de très bons partenaires qui ont développé des systèmes avancés d'apprentissage. Nous voulions donc pouvoir connecter ces systèmes sans limite. On ne peut pas juste construire un système qui a tout. Il faut s'assurer que c'est interopérable avec d'autres systèmes d'apprentissage qui arrivent, qui s'améliorent. Le secteur privé va très vite et si vous n'avez pas ce concept, alors il est difficile d'étendre l'offre de votre écosystème. Donc dans la phase 3, nous avons pris ce contenant. Nous avons veillé à ce que toutes les données, chaque action de partie prenante, que ce soit l'élève, l'enseignant, capte ces événements, capte ces données. Cela va dans des banques de questions, des banques de données, des répertoires, pour voir qui détient les données et les données qui peuvent traverser à travers tout l'écosystème. Pour l'avenir, nous voulons faire avancer les choses en avançant l'intelligence artificielle. Nous avons déjà son application dans certains verticales, mais nous voulons l'utiliser dans deux formes. Un, pour lire les données qui ont été captées, les convertir en applications et fonctionnalités qui peuvent augmenter l'écosystème, l'améliorer, et ensuite être sûr que cela donne analyses prédictives, prescriptives, etc. Donc voici les espaces d'apprentissage. À gauche, vous avez les espaces par rapport à l'opération des écoles, par le système Manhal, utilisateur, participation, calendrier, etc. Ensuite, nous avons des technologies standardisées pour l'intégration. Tout système de gestion qui améliore la capacité de l'écosystème à travers une norme. Ces normes sont prises principalement par International et un portail qui met tout ceci ensemble. Et nous sommes vraiment incorporés, intégrés avec Microsoft Office de 360 pour son interactivité, la visioconférence, et utilisant ces ressources 360. Et en bas, vous voyez le Learning Curve, la courbe d'apprentissage, qui est l'espace pour les étudiants, les enseignants et les développeurs professionnels. Et si vous avez l'architecture au niveau en outre de l'écosystème, nous nous sommes rendus compte qu'il était important d'intégrer avec des ressources externes, parce que quelques données qui vous disent beaucoup sur les élèves viennent de l'extérieur, soit le ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, ou le département des droits humains, enfin, Human Resources, pardon, des ressources humaines, pardon, et puis l'intégration avec différents systèmes, avec différents niveaux de maturité, car certains systèmes, certaines institutions n'ont pas les systèmes avancés, ils peuvent intégrer avec vous qu'en donnant des données non traitées. Donc nous devons avoir ce qu'il faut pour avoir les différentes maturités de différents clients, différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Et le composant le plus important, c'est notre Learning Record Store, où toute activité, événement dans l'écosystème est enregistré, que ça soit important ou pas, cela les enregistre. Ensuite, vous avez l'analytique qui regarde ces données et essaie d'entreprendre apprentissage par algorithme qui nous donne une idée de ce qui s'était passé dans l'éducation, y compris des KPI, des indicateurs normalisés qui sont là pour l'éducation. Ici, différentes technologies que nous avons utilisées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Notre prochain objectif est d'ajouter davantage d'intelligence artificielle, AR, VR, IoT, des micro-fonctions. Nous pouvons ajouter davantage de bénéfices à l'apprenant, respecter leurs connaissances déjà préexistantes, apprécier leurs capacités, les bénéfices pour les enseignants en donnant l'utilisation des outils tiers. Et ces outils sont intégrés dans l'écosystème
fournir le bénéfice de l'outil était de s'assurer que nous ne perdons pas les données parce que c'est venant d'un système externe. Ensuite, les avantages pour les institutions, la gestion des écoles ainsi que l'évaluation adaptée qui peut avoir l'évaluation adaptée dépendant de la capacité et les capacités de l'apprenant. Vous avez une minute. J'ai presque fini. Donc, en fait, ce que nous avons gagné, enfin les gains après la mise en œuvre de cet écosystème, nous avons aujourd'hui des informations sur les étudiants unifiés, nous avons portefeuille sur le e-learning et l'étudiant, apprentissage personnalisé, les écoles virtuelles. Nous pouvons utiliser les technologies futures, étendre l'expérience utilisateur, optimiser l'information, intégrer avec tout système qui suit les normes et ensuite soutenir les analytiques et l'apprentissage par machine. Pour ce faire, il faut des partenaires stratégiques qui sont prêts à avancer avec vous pendant de nombreuses années. Donc nous avons des partenaires que vous pouvez les voir et ils sont là. Vous pouvez leur adresser des questions si vous voulez. Et je vous remercie beaucoup de cette opportunité de partager avec vous ce que nous avons et nous voulons bien partager cela avec d'autres pays et nous espérons le déployer de façon en ligne, hors ligne, par cloud et à des modèles alternatifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ariel. Il a fait. Ce partage d'expérience est très, très important et c'est ce qui est attendu. Les deux points que j'aimerais faire avancer, c'est le système perspective d'écosystème et comment vous avez intégré les différents parties du système de système d'information et d'autres pièces qui décident de la qualité et l'inclusivité de l'éducation et d'une dimension partenariale que vous avez mentionnée à la fin. Nous viendrons aux discussions dans les défis. Je donne maintenant la parole à Stéphane qui va nous donner une perspective d'ensemble au sujet de la génération à venir de systèmes de gestion de l'information. Stéphane, vous avez la parole. Merci beaucoup, Borel. Merci pour cette invitation. Je vais reprendre ce qui vient d'être dit. Je vais vous expliquer pourquoi il nous faut de nouveaux systèmes d'information. Première chose qui est très importante, ce sont les systèmes d'information longitudinales qui permettent au pays d'avoir une infrastructure de données. Ce qui nous permet de suivre la carrière de chacun des étudiants. Malheureusement, vous semblez avoir un petit problème de micro. Est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro? Le son est intermittent. Donc, dans ces outils de prochaine génération, il y a des outils de visualisation. Tout ceci, en fait, lié à ce qui vient d'être présenté par les Émirats arabes unis. Il y a quelques années, nous avons fait une enquête sur ce qui était disponible dans les pays de l'OCDE. Les systèmes d'information traditionnels concernent principalement les écoles. Mais nous avons des identifiants longitudinaux pour les élèves, un peu comme pour les enseignants. Et bien souvent, nous avons des liens pour les enseignants, mais pas pour les élèves. Et ça nous permettrait de faire des prévisions. Il y a quatre différentes catégories de systèmes. Lorsque les systèmes sont très détaillés et bien développés, on peut les utiliser de la façon traditionnelle, comme outil de recherche, d'information, à des fins statistiques, comme c'est le cas au Canada, au Mexique. L'intention ici est d'informer les décideurs politiques et le public et de leur rendre ces informations disponibles.
un cas très intéressant, c'est ce qui provient des services de gouvernement électronique. Les pays souhaitent fournir des services spécifiques à leurs citoyens, c'est pour cela qu'ils ont besoin de ces systèmes. Parfois, les liens sont très bons, c'est le cas en Estonie, où il y a un excellent système qui fait le lien avec toutes les bases de données du pays. Dans le cas de la Corée, il y a un système d'information qui permet de poser des candidatures aux universités, d'envoyer des données de façon très directe et simplifiée. Donc, on dispose d'informations très détaillées, mais souvent, ces informations ne sont pas utilisées pour faire des retours aux élèves, aux parents, etc. Les systèmes de données pour l'amélioration des écoles sont là pour donner des informations sur les écoles, sur la performance, le référentiel des écoles pour leur permettre de s'améliorer. Ça, c'est le genre de système d'information qui permettent aux inspecteurs d'avoir des informations et qui leur permettent de recommander des voies d'amélioration aux écoles. Les écoles ont leur propre équipe d'amélioration aussi, leur propre routine d'amélioration. Et puis, il y a un quatrième outil qui est plus en lien avec ce que vient de présenter les Émirats arabes unis. Il s'agit d'un système qui intègre beaucoup d'analyses de données, qui permet également de faire des liens avec d'autres ressources. On a un exemple avec le Colorado. On peut voir leur modèle de croissance ainsi que des connexions qui permet aux enseignants de se relier les uns aux autres, des liens avec les ressources éducatives, des informations que détiennent les écoles sur leur classe. Ce qui permet de suivre un modèle prédictif sur l'évolution scolaire des élèves, leur parcours scolaire. Cela donne des informations aux enseignants sur leurs élèves. Donc ça, c'est un nouveau modèle. Et donc ces modèles basés sur l'intelligence artificielle peuvent être très utiles. Je voudrais souligner des aspects qui sont très importants en matière de prise de décision politique. Il y a un modèle qui vient des États-Unis. Il s'agit d'utiliser des informations sur l'inscription des étudiants américains à l'université. Donc les community colleges aux États-Unis, il y a les inscriptions à temps complet et à temps partiel. Et ça nous donne une idée de la structure de l'enseignement dans les community colleges aux États-Unis. Nous avons ici des données qui nous permettent de suivre le parcours des élèves et ce qui montre comment c'est d'être un élève à temps partiel ou un élève à temps complet. On voit l'évolution des étudiants et on voit que vers la fin du parcours, finalement, les deux parcours se ressemblent beaucoup. En fait, il n'y a pas vraiment d'étudiants à 100% à temps complet ou à 100% à temps partiel. Il y a un problème de diplôme dans les community colleges et pour résoudre ce problème, il a fallu revoir le modèle d'apprentissage au sein d'une université de ce genre. Un autre modèle qui utilise ce genre de données
concernant l'abandon scolaire au niveau lycée. Vous avez des éléments de prédiction qui permettent d'identifier l'abandon scolaire potentiel. On a des études qui montrent quels sont les étudiants les plus susceptibles de quitter l'école. Il n'y a que 38% qui abandonnent l'école, qui correspondent à ce schéma. Il y a 9% des élèves qui ont de bonnes notes, qui aiment l'école, mais qui abandonnent néanmoins. Donc il faut mettre des interventions pour ces différentes catégories d'élèves qu'on ne pouvait pas identifier par le passé. Là, on sait que les interventions nécessaires pour ces différentes catégories seront différentes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Stéphane. Comme d'habitude, c'était fort intéressant. Ce qui est très intéressant ici, c'est l'approche axée sur la demande que vous avez soulignée au début de la présentation. Quelles sont les questions que cette méthode d'analyse va nous aider à résoudre. En effet, l'abandon scolaire, c'est l'une des grandes problématiques auxquelles doivent s'atteler les systèmes scolaires. Merci beaucoup Stéphane, restez avec nous. Louise, bienvenue et bienvenue aux collègues de Microsoft qui se joignent à nous. Je vais vous donner tout de suite la parole, Louise. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de cette opportunité qui m'est donnée. Je vais tout de suite rentrer dans ma présentation. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un projet excitant que Microsoft a lancé qui s'appelle Leading Countries of the World pour la transformation de l'éducation qui s'appelle également LTDE. Et il y a des leaders visionnaires et des parties prenantes dans un mouvement global pour accélérer la transformation numérique avec la technologie. Quelles sont les meilleures pratiques pour la connaissance et le capital humain pour le bénéfice de tous? Les participants de ce programme peuvent sélectionner différents programmes. Vous avez le CIG, vous avez également sur l'intelligence artificielle, les développement professionnel, etc. Donc je serai tout à fait heureuse de partager de l'information avec vous après ma présentation. Alors, nous allons maintenant regarder Transformer l'éducation avec le CIG, donnant une introduction rapide de ce projet. Alors, l'économie de connaissance au niveau national, que la politique dépend des analyses de données sur les étudiants pour prendre des décisions. Les systèmes éducatifs se rendent compte de l'importance de l'information pour le planning de l'éducation et des données sont recueillies pour que les pays peuvent voir où est-ce qu'il y a des fossés dans les scolarisations et les analyses et les comparaisons avec différentes régions dans un pays et les outils numériques qui donnent de l'information en temps réel pour que les bonnes décisions puissent être prises sur la performance de l'étudiant. Révolutionner l'éducation en traduisant des politiques au niveau national sur la pratique au niveau de la classe. Donc, le reporting, l'analyse des données, recherche à aider les pays à atteindre leurs objectifs, objectifs du millénaire. Alors, l'architecture de CIG, selon comment les données sont transmises, il y a le recueil des données, collecte des données, analyse des données, et ceci à travers les outils d'analyse et reporting. L'architecture est de CIG, ou de toute organisation, devrait répondre à l'architecture de l'entreprise, et ici, ce serait le ministère de l'Éducation. Alors, quel est le projet de CIG?
Si je vais soutenir les communautés pour mener des systèmes de l'éducation, pour développer des architectures de données modernes pour le reporting national et global. Alors, il y a des travaux avec les partenaires des SIG pour soutenir des systèmes à développer des cadres de déploiement pour l'adoption future. Nous allons maintenant regarder quelques défis et les systèmes éducatifs qui ont des problèmes avec des politiques et nécessité d'établir un SIG avec les engagements avec différents systèmes éducatifs. Les challenges des SIG ce sont autour de ce qui manque dans trois domaines, la durabilité, la responsabilisation et l'efficacité. Et qu'en faisant partie du programme, nous allons regarder ces trois éléments et comprendre le défi un peu mieux. Alors, il y a des défis pour développer les applications d'entreprise. La complexité crée des dépendances qui fait que ces systèmes deviennent lourds et manquent de flexibilité. Ils dépendent de différentes sources et différentes bases de données, ce qui veut dire que vous aurez des ressources dupliquées, quelques menaces de sécurité parce qu'il y a différents points d'entrée. Et tout ceci rend l'opération et la gestion beaucoup plus lent, less efficace, comme cela est indiqué sur le diapositive. Mais l'impact de l'architecture accidentelle est un sujet, je pense, que tout système éducatif peut comprendre. Le projet SIGE va permettre un partage d'expériences et les aider dans la quête de surmonter les défis. Très rapidement, sur les pays à la tête dans le monde avec le projet IMES aussi, nous allons regarder ces trois indicateurs clés, la politique en matière des données qui va se concentrer sur les normes, la sécurité et la gouvernance et éthique. Et nous allons également montrer le programme dans différentes plateformes d'architecture données modernes, différentes éléments disponibles sur le marché, ensuite les recherches sur les données, l'accès, le reporting, la visualisation et la science des données. Mais je voulais partager avec vous ce que nous voyons comme le modèle de maturité, différents symboles pour représenter différents stades. Où se trouve le SIG dans au niveau de la maturité? Il y a quatre stades. Tout d'abord, c'est le niveau d'entrée et où les pays recueillent des données, mais les technologies des normes sont limitées et nous voyons cela comme la première étape où les données ne sont pas nécessairement recueillies de façon annuelle ni utilisées pour la politique. Deuxième stade, c'est le niveau émergent avec des données globales, mais le reporting spécifique et une politique informée. Recueil donc numérique des données, mais des politiques de privées plutôt limitées. Ensuite, avancées, des systèmes globaux informent la politique. Ils utilisent le cloud pour le stockage des données. Et dernier stade, transformative, c'est holistique, temps réel, et l'analyse est soutenue par l'apprentissage machine et intelligence artificielle. Une minute, Louise. Alors, qu'est-ce que nous voulons atteindre par le biais du programme? Nous voulons multiplier la capacité, comme avoir une feuille de route claire pour les systèmes d'éducation. Nous voulons prendre des décisions éclairées, engager avec les vendeurs et prendre des décisions éclairées et avoir des discussions avec les partenaires de développement, des bailleurs qui veulent contribuer. Je vais très, très rapidement sauter ces différents points. C'est aligné à UIS et GPE qui a été mentionné hier.
nous en parlerons beaucoup plus dans notre programme. Nous avons également des partenaires Siege, Microsoft. Ici, vous avez quelques exemples de ces partenaires et essentiellement un point de élément de langage très important pour nous, ce sont les outils Microsoft. Nous avons des licences créatives open source. Ici, vous avez une vue des outils Microsoft avec le programme. Et voici comment Microsoft voit le voyage du Siege. Si vous êtes intéressé en tant que système éducatif à participer, je voudrais vous inviter à me contacter sur le chat box et je serai tout à fait heureuse de partager l'information sur ce programme qui sera débutera en juin. Merci beaucoup et tout à fait prête pour les questions. C'est Dieu. Merci beaucoup, Louise. Je vois que votre mois de juin est très chargé. Chers collègues, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais néanmoins répondre à quelques questions qui figurent dans le chat. Je souhaiterais d'abord poser une question à M. Ali Al-Yafé. Une question dans le chat. Est-ce que ce que vous capturez, ce sont les schémas d'apprentissage tout au long de la vie ou plutôt au sein des écoles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement de quoi il est question? Merci, c'est une excellente question, en effet. Il s'agit du parcours d'apprentissage tout au long de la vie, en commençant au stade prénatal. Nous travaillons avec les autorités de santé et au sein de la communauté. À partir du moment où les parents vont consulter, où on leur donne des conseils pour s'occuper de leur enfant. Et tout ceci va jusqu'à la fin du lycée. Et maintenant, on a fait un lien avec, entre le lycée et l'enseignement supérieur. Dans la plupart des pays, il y a déjà un lien qui est fait entre le système d'enseignement supérieur et le secondaire. Nous travaillons également sur l'orientation scolaire, professionnelle, avec le ministère du Travail et de l'Emploi pour faire le lien entre ceux qui sortent du secondaire et qui vont directement sur le marché du travail. Est-ce que nous avons tout réalisé dans les détails? Pas encore. Par contre, nous avons commencé cette aventure. Merci beaucoup. Ali, il y avait également une question sur la protection de la vie privée. Est-ce que, à votre avis, ces technologies frontières protègent bien la vie privée, les données, la sécurité des données, des apprenants et des personnes concernées? Est-ce qu'elles mettent en danger la vie privée? Est-ce qu'elles protègent encore mieux? Est-ce que c'est une question qui s'adresse à moi? C'est une question qui s'adresse à Avi et non pas à Ali. Je crois que Avi n'est plus avec nous. Je vais donner la parole à Louise sur cette question. Qu'en pensez-vous? Désolée, Borène, j'essayais d'allumer mon micro. Je répondais aux questions directement dans le chat. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Il s'agissait de la protection des données et de la vie privée et de la prise en compte de cet élément par les CIG. Est-ce que ces technologies frontières mettent en danger la protection de la vie privée des apprenants ou est-ce qu'ils améliorent cette protection? C'est une amélioration. Il faut être très conscient des clauses sur la protection de la vie privée dans les différents pays, mais par rapport à ces technologies modernes, avec leur identifiant unique, l'importation, l'exportation des données, l'extraction des données, ce sont là des outils qui permettent aux parties prenantes de voir des données à un niveau très élevé
tout en faisant en sorte que ces données restent au bon endroit. Du point de vue Microsoft, les outils que nous avons à notre disposition, c'est essentiel pour nous parce qu'évidemment, c'est un défi de grande envergure et une source de préoccupation pour nombre de systèmes d'éducation. Monsieur Deschan, il y avait une question sur l'interopérabilité. Vous connectez différents ensembles de données sur la formation professionnelle, de l'enseignement, le marché du travail. Encore une fois, en résumé, donc en 30 secondes, comment est-ce que votre système permet cette interopérabilité entre les différents systèmes de données? C'est une excellente question. En effet, les données, c'est un mot très sensible. Lorsqu'on pense aux données, on pense à la question sécurité et à la protection de la vie privée, à la protection de l'information. Avec notre plateforme et notre système, nous pouvons intégrer des plateformes tierces. Nous pouvons aider nos partenaires à contrôler tout cela. Ils peuvent faire en sorte que les systèmes communiquent. La clé là-dedans, c'est le modèle de données. Nous avons un système robuste qui fait le lien entre les données, qui fait lien avec les données que nous détenons et qui nous permet d'intégrer les données. Donc, si l'on définit certaines règles, cela nous permet de connecter les données sans aucun problème. Merci beaucoup. Stéphane, une dernière question qui s'adresse à vous. Évidemment, tout ceci nécessite des investissements. D'où vont venir les ressources permettant d'investir dans l'application de ces technologies? Quelles sont les mesures d'action publique et les partenariats nécessaires? Je crois qu'une partie du financement doit venir de sources publiques, en tenant compte du fait que c'est une source d'efficience pour les systèmes d'éducation, mais il faudra également qu'une partie de ces financements vienne de partenariats avec des entreprises. C'est un aspect très important de l'équation. Un des défis pour ce système consiste à faire en sorte que cela soit un écosystème viable, fournir des mesures incitatives au secteur privé et faire en sorte que tout cela reste pérenne pour le secteur public. Merci beaucoup Stéphane, je remercie les collègues Avi, Ali, Daichen ainsi que Louise pour leur participation. Il s'agissait d'une discussion très animée sur les impacts aux différents niveaux, écoles, régions, etc. La connexion entre les systèmes d'enseignement et le marché du travail, ce que l'on peut tirer comme enseignement des entreprises, l'effet que les entreprises, telles que Microsoft, peuvent avoir sur cette question, quel serait un modèle idéal. On a entendu les Émirats Arabes Unis qui assurent le suivi des parcours d'apprentissage tout au long de la vie et qui fournissent des ressources qui permettent d'éclairer les prises de décision à tous les niveaux. Je remercie les intervenants aujourd'hui et je redonne la parole à mon collègue pour la clôture. Deux sessions très informatives qui nous permettent de réfléchir à l'avenir des CIG de différents points de vue. Tout d'abord d'un point de vue environnement, capacité, et l'autre davantage du point de vue des technologies. Une discussion très riche. Pour conclure, je souhaiterais remercier tous les intervenants ainsi que les participants à cette discussion. Pour résumer
ces deux sessions d'aujourd'hui. Il y a trois ou quatre aspects essentiels. Tout d'abord, le fait que les 6G de l'avenir devraient être axés sur l'apprentissage. Il faut également développer une base sûre et des systèmes de données axés sur l'apprenant. Ces systèmes devraient être en interface avec d'autres systèmes de données. Il faudrait faire une distinction entre les 6G et les SIS. Nombre de ces systèmes de données manquent, n'ont souvent pas de gestion. Donc il faut gérer l'apprentissage, les apprenants, faciliter l'apprentissage, il faut réfléchir à toutes ces problématiques, il faut que les systèmes liés à l'apprentissage, à l'éducation, fassent le lien avec d'autres systèmes de données, santé, marché du travail, etc. Ensuite, les écoles devraient être conçues comme un marché avec davantage de flexibilité, davantage de choix pour les apprenants. Et pour construire ces systèmes de données axés sur l'apprenant, il est nécessaire d'intégrer les systèmes 6G avec les systèmes SGA. Donc ça, c'est le premier grand point. Deuxième dimension qui concerne la technologie. Les technologies servent à nous aider à construire des systèmes de données plus pertinents et plus solides qui viennent appuyer la gestion de l'apprentissage et des écoles. Nous avons parlé de l'IA, de l'apprentissage des machines, machine learning, et des différentes solutions technologiques. Donc la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment mettre en place un partenariat autour d'une vision politique sur les 6G de l'avenir. On a pu entendre les exemples de différents pays avec une vision claire. Il faut également établir des partenariats pour s'assurer que ces technologies soient disponibles et soient utiles pour construire les 6G du futur. Troisième aspect qui concerne les écosystèmes. La plupart d'entre vous disent qu'il est extrêmement important de créer des écosystèmes et que pour ce faire, la technologie est importante, mais que ce n'est pas tout. Il faut également un changement de mentalité et créer une culture des données, créer une gouvernance claire et des cadres qui permettent de clarifier l'utilisation des données, les partenariats, l'intersectorialité et la protection de la vie privée. Il est également nécessaire de mettre en place un financement durable pour les 6G et de renforcer les écosystèmes locaux avec les universités, les différentes institutions du pays qui participeront à la construction des écosystèmes permettant un 6G plus solide tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chacun, tout en évitant la fragmentation et en créant des synergies, en permettant l'interopérabilité des systèmes de données. Et en dernier lieu, il faut que ce système de données soit axé sur l'utilisateur parce que souvent les technologies existent, elles sont très complexes. Et ce qu'on fait ne prend pas forcément en compte l'utilisateur des données. Donc il faut que les systèmes de données soient faciles d'utilisation par l'utilisateur. Il faut qu'il y ait des approches ascendantes et descendantes pour des systèmes de gestion
pérenne. Il faut pouvoir s'adapter au contexte local et adapter ces systèmes de données aux attentes de la communauté. Afin de s'assurer que les systèmes de données soient pleinement utilisés, et l'aspect visualisation est très important, certains ont également parlé des enseignants . Tout ceci fait partie de la gestion des données. Par rapport à cette approche axée sur la demande, il faut tenir compte du développement des capacités des utilisateurs aussi. Ce sont là les différents domaines et différentes questions qui ont été soulevées dans les présentations, ce qui ne signifie pas forcément qu'il s'agisse là des quatre seuls domaines d'intérêt. Nous allons continuer la discussion demain. Il s'agira d'une session davantage interactive pour savoir ce que nous pouvons faire pour collaborer en tant que partenaires internationaux, en tant que communauté de pratique internationale, pour clarifier les différents aspects dont nous avons parlé. Nous nous retrouvons donc à nouveau demain à la même heure pour une discussion plus interactive au sujet de l'avenir des CIG. Je vous remercie de votre attention. Recording stopped.